vous amène dans ma vieille salle de bain qui date de 1990 à peu près. Avec la belle lampe, magnifique, les beaux rideaux, ainsi que la table à langer de ma fille Stella, qui a maintenant 13 ans. Donc, on l'a changée en meuble de rangement. Maintenant, tout a l'air beau en ce moment parce qu'on vient de faire le ménage pour pouvoir rénover. Mais à partir de demain, on défait tout ça. Ça va être fou, 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 fou. C'est le rêve de ma vie qui est en train de se produire. Une vraie, de vraie belle salle de bain. En tout cas, je l'espère. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on défait la salle de bain des maîtres qu'on a toujours rêvé de refaire depuis qu'on est ici, soit environ 12 ans. On n'a jamais repeint, on n'avait rien touché pour attendre le bon moment pour pouvoir le faire. Puis là, on est arrivé. Je pensais pas qu'on reprendrait d'aussi loin, mais donc, il n'y a plus de gyps, il n'y a plus de plancher, il n'y a plus rien. On détruit puis on recommence, mais j'ai vraiment hâte. Oh my god! On va aller voir Calumero. Oui. On a monté Calumero. Il est là. Calumero! Le beau Calumero. Que je vais rester ici pour l'éternité. Alors, si vous me cherchez, je suis dans ma salle de bain. Ça marche? Je pense que, dans le fond, j'ai juste à m'installer une petite machine à café ici. Je pourrais faire ma radio également dans la douche, parce que quand même, déjà, un haut-parleur, ça marche. Je suis en amour avec la robinetterie. C'est sûr, la douche, c'est fantastique. Il y a un effet vraiment spa avec la machine à vapeur. Ce qui est drôle, c'est que quand on a acheté la maison il y a 13 ans, on avait une machine à vapeur dans la douche, sauf qu'elle n'a jamais fonctionné. Alors, pour la première fois de ma vie hier, je l'ai essayée et c'est vraiment l'expérience spa à son meilleur. Et ici, c'est vraiment mon endroit fifi. Ça fait des années que je rêvais à ça, mais une vraie maquilleuse avec beaucoup de rangement, évidemment, et surtout des miroirs. Le grand, très éclairé, puis un plus petit parce que, je vous l'avoue, ma vue est vraiment horrible. Donc, j'ai besoin de me voir de très près avec une luminosité, soit de soir, soit de jour également, comme les miroirs des grands-mamans dans le temps en plastique avec des lumières différentes, mais version 2017. Puis, je vais vous montrer un petit tour de magie. On aime tous les diffuseurs maintenant. Bien, il y en a un intégré dans le bain où tu mets des petites gouttes et tadam! Regarde, ça sent bon. Fait que là, on peut se dire qu'on se connaît intimement. Hein? Vous êtes venu dans ma salle de bain. Mais si jamais vous me cherchez, au moins, bien, vous savez où me trouver.